La 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 la. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mécanique. Attention, on va faire de la mécanique aujourd'hui, on va faire aussi du mode multicaméra. Je trouve ça sympa, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou c'est pas bien? Donc en fait, toute la journée, je vais vous parler comme ça, sans arrêt, avec plusieurs caméras. C'est trop marrant, c'est trop chiant, quand on le fait trop souvent, mais moi, ça m'éclate. Allez, au boulot, c'est parti, on y va, en route. À une semaine de partir, du départ normalement, on est quasiment bon. Et là, vous savez que là-dessous, il se cache un petit joint torique qui permet d'éviter à l'huile de couler par terre. Le problème, c'est que ça fuit et c'est pas terrible. Donc alors ce qu'on va faire, on va tout démonter parce que vous avez vu qu'en fait, on n'arrive pas à trouver les joints sur Internet ou alors si vous allez chez Renault Truck, en fait, ils s'en fichent, hein, c'est des vieux véhicules, ils n'ont plus rien à faire. Alors on va se débrouiller nous-mêmes, c'est des ponts qui ont été fabriqués il y a super longtemps, ils se sont servis chez les industriels pour faire tout ce qui est les joints, tout ça. Donc je pense qu'on n'aura pas de problème pour retrouver ces joints-là. Sachez que chez Renault, ce petit joint il coûte 175 € et je n'ai même pas demandé si c'était hors taxe ou si c'était TTC. Alors, en tout cas, moi je ne mets pas 175 € dans un joint. Et les garages ne pouvaient pas me faire de devis. Parce qu'ils trouvaient pas les joints chez Renault. Donc ça veut dire, Jérémy, enlève-toi les doigts du nez et fais ça toi-même, comme tu sais bien. Donc, on va se débrouiller et on va les faire nous-mêmes. Alors pour ceux qui connaissent pas, on me demande souvent, qu'est-ce que c'est un réducteur? Tout simplement, vous voyez, vous avez un pont devant. Pour que le milieu soit plus petit, ce qu'ils ont fait, ils ont mis une démultiplication aussi dans les roues. Ce qui vous permet d'avoir un pont à l'avant beaucoup moins volumineux, c'est beaucoup plus pratique. Pour tout ce qui est passage, pour éviter que ça frotte par terre. Voilà. À l'arrière, on n'a pas de réducteur dans les roues, parce que le pont il est beaucoup plus gros au niveau du milieu. Voilà tout simplement pourquoi ils ont mis des réducteurs dans les roues. En fait, vous avez tout simplement une partie de votre pont qui se trouve dans votre roue droite et dans votre roue gauche, tout simplement. Au lieu de mettre des gros pignons planétaires et gros pignons au milieu du pont, ils en ont mis un plus petit, puis ils ont mis le reste sur les côtés. Voilà. Donc on va démonter tout ça, voir comment ça se démonte. J'ai jamais fait, et c'est ça justement qui me donne envie de le démonter, parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui se cache là-dessous, et ça m'intéresse. Et j'ai jamais vu. Et quand j'ai jamais vu, j'aime bien voir. Donc on va voir tout ça. C'est parti. On va voir comment sont les tambours, on va voir comment tout est fichu, on va enlever les pignons et tout apparemment. Donc ça promet d'être assez sympa. Là on est dimanche, je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour démonter ça. Il faut déjà que je le lève, il faut que je vous fasse voir un outil super puissant que je me suis offert il y a environ un mois. On bricole pas un camion sans son coffret poids lourd. Hein. Vous allez voir ce que je me suis acheté. Vous savez que nous, en camion, on n'a pas des gros compresseurs. C'est des compresseurs qui tournent, faut démarrer le camion, ça n'a pas un débit de fou non plus. Hein. Donc voilà, si vous utilisez une clé à choc, tout simplement, ça n'ira pas. Et les outils à batterie, j'ai regardé une bonne clé à choc, entre 300, 400, même voire 500 € pour une clé à choc, juste pour démonter de temps en temps. Ça fait un peu raide. Alors j'ai acheté ça. Oh, j'ai acheté ça. Une clé à choc électrique qui fonctionne au 220. C'est chiant hein, ce que je suis en train de faire. Allez, j'arrête. Donc autant vous dire que ça coûte juste 80 balles. C'est très lourd, ça pue le cramer quand on s'en sert. Et il n'y a pas de variateur, c'est-à-dire que vous appuyez, ça met tout de suite en route. Ça envoie la gomme dès le départ. Mais c'est un peu la patate quand même. En newton mètre, c'est je sais plus combien. Non, ça fait 1000 watts, ça fait 450 newtons. Et ça fait 1000 watts. Voilà, donc comme nous, on a du 220, c'est pas un souci. Et bah du coup, on s'en sert comme ça. Et je vais vous faire voir la puissance de fou, vous allez voir. Une puissance de malade. Coffret poids lourd, douille. Ah, la bonne.
pas la bonne douille. C'est quoi ce délire? C'est du 33? Sérieux? C'est pas possible! Ah, les joies de la mécanique. Ça commence! Bah, eh bien, j'ai pas la douille, je sais pas, ça doit être du 30. 34. Ça doit être du 34. Mais j'ai pas de douille de 34, non. Je suis 36 ou 32, comme par hasard. Donc bah, on va utiliser la barre qui donne avec le véhicule. Le problème, c'est que j'aime pas parce que regardez, c'est super long. Là, franchement, ça me fait pas rire. Vous voyez, c'est une barre qu'on utilise comme ça, mais j'aime pas ça parce qu'elle est trop longue et souvent, on les tord quand ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. Donc là, il va me falloir une barre, hein, parce que ça m'étonnerait que j'arrive à le démonter comme ça. Je vais mettre tout mon poids, ma puissance. La 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 la. Non, bon. Toi, tu files de là, tu sers à rien. Bon, normalement, j'ai une barre de fer exprès, qui est ronde, qui est super costaud, que je trimballe depuis Flash, et ben, je la retrouve plus. C'est gênant. Et de 1. Lui, on a réussi à l'avoir. Les écrous sont démontés. Ça va toi? Bien dormi? Ouais? Tu vas aider papa à faire de la mécanique aujourd'hui? Ouais? Allez, en route! Debout, bande de paillasses! On se lève! Ah, c'est dimanche! On fait pas la grasse mat, on est debout! Toujours présent! Hey, Lucas! Nous, on est en forme! Ouais! La patate! Levez-vous! Ça permet de voir si le camion est bien calé aussi. Voilà. Vous avez vu comment ça a pourri tout le pneu? La fuite. Pas terrible, hein, ça m'a agressé toute la jante. Au moins, elle va pas rouiller. Allez, on va poser ça. Donc là, tout simplement, je vais venir visser un petit peu à droite, à gauche, pour éviter de le mettre en contrainte, le tambour. Voilà, et puis là, il vient tout doucement, gentiment. Il vient. Ouais, je t'ai réveillé, ouais. Ouais. Il fait mal. Mais ça va pas la tête ou quoi? Je suis en train de faire de la mécanique. Poids lourd, je te signale. Oh non, ça va. Ouh. Oh la vache, c'est énorme. Ça va être plus facile, ben, avec la chèvre. Alors, je pense... Attention, il y a du bordel partout, Jérémy. Tu ranges pas ton matériel aussi. J'ai été emprunter la chèvre de Monsieur Seguin. Et là, j'ai démonté mes vis de mes pivots inférieurs et pivots supérieurs. Je vais voir si ça vient. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça bouge. Donc c'est bon signe. Si j'arrive à lever ça, le sortir, j'ai accès direct au joint. Et là, je gagne un temps phénoménal. Pourquoi je démonte ça alors que ça fuit pas et que ça fonctionne bien? La fuite, elle est là. Je vais pas aller démonter ça. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est là où mon outil va rentrer en scène. C'est pour ça que j'avais tout préparé pour m'en servir. Je vais lui visser un écrou ici, je vais le couper parce que là il est un peu long. Je vais venir le visser là et je vais taper. Voilà. Donc je le fabrique et on se retrouve dans 10 minutes. Hein.
Salut à tous. Alors, donc, j'ai des bonnes nouvelles. Regardez, je suis venu sur Angers, dans une entreprise qui s'appelle Cefi, où ils font des roulements, des joints, tout ça. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé mon petit joint. Il est ici. Voilà, ça, c'est le joint en question. Et ça, c'est le joint qui était plus bon. Voilà. Vous voyez, c'est un joint. Il est bleu, en fait. OK. Et j'en ai appris un peu plus, parce qu'en fait, la dame, elle m'expliquait que là, le joint, j'avais le choix entre le joint bleu et celui-là. Celui-là, il, niveau qualité, elle a dit rien à voir. Il va carrément mieux résister à la chaleur, à plein de choses. Enfin, voilà, c'est carrément du haut de gamme. Et celui que j'avais dans le pont, elle dit, ça, c'est... Elle dit, voilà, c'est du joint tout à fait standard, limite bas de gamme, quoi, en fait. Je fais, ah ouais, à ce point-là, quand même. Elle dit, ah oui, ça, c'est... Elle dit, attention, là, on joue plus dans la même cour avec ce joint-là. Donc celui-là 7 euros et celui-là je l'ai payé 14 euros. Voilà. Donc je m'en fiche complètement. J'en ai recommandé 3 d'avance et le roulement aussi à l'intérieur, j'en ai commandé 2 que je changerai quand ils seront usés. Je sais, normalement il faut les changer, mais tout est nickel. Je vous dis, il y avait vraiment un souci en fait. Il y avait la graisse, ils avaient trop graissé les croisillons. Ça avait poussé dans le cache-poussière et ça venait pousser sur le joint. À force que les cardans y tournaient, ça venait pousser dans le joint et c'est pour ça que ça fuit. Mais elle a vu aussi, elle a dit celui-là, il est bon encore. Donc voilà. Et les caches poussières, on les remet pas. C'est une décision que j'ai prise de pas les remettre. Donc je vais changer que un seul joint parce que j'ai qu'une seule fuite. Le véhicule est à 80 000 km. Les roulements ils sont nickels, les cardans sont pas marqués, il n'y a rien du tout. Tout est impeccable. J'avais juste un souci avec une petite fuite. Donc je règle cette petite fuite parce que sinon. Je vais tout refaire, je refais les roulements qu'il y a aussi dans les moyeux, je vais... sinon je change tout en fait, les arbres et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, à un moment donné, il faut rester raisonnable quand même. J'en ai quand même pris d'avance, j'ai pris des roulements d'avance au cas où il y a un souci. Si je tombe en panne, je sais que je pourrais, entre guillemets, réparer. Voilà, donc je suis content, on se retrouve à la maison, on va remonter tout ça. Go! C'est parti, nous allons pouvoir remonter. J'ai passé un petit coup de propre, je vous fais voir tout de suite ce que ça donne. Vous pouvez voir, je ne sais pas comment ça s'appelle, le bout de pont, côté droit, qui est tout propre. C'était rempli de graisse, c'était un truc de malade. Et là, donc, vous avez le demi-arbre qui a été démonté assez facilement avec le double cardan. Je ne sais pas comment on appelle ça non plus, excusez-moi, je n'ai pas les termes exacts. C'est un peu un double croisillon en fait, c'est vraiment tout articulé et tout est entièrement nettoyé. Vous voyez, je pensais que la fuite venait de là, mais en fait, non. Ici, c'était tout propre, tout sec. Bon, là, vous inquiétez pas, c'est du WD-40. Comme j'ai tout dégraissé, c'est pour éviter que ça sèche de trop et que ce soit tout pourri. Voilà, donc ça, c'est le côté qui est nettoyé. Et là, pour vous rendre compte, j'ai déjà mis du dégraissant. Je vais tout le nettoyer. Celui-là, il n'a aucune fuite, mais il faut vraiment le nettoyer parce qu'en fait, on ne voit pas du tout ce qui se cache derrière. Il y a beaucoup, beaucoup trop de graisse. Et encore celui-là, on va dire que c'est le moins pire. Encore ? Howdy, partners. It's your old pal, Cowboy Jack. I'm here today to take you on a trip to an amazing place full of sunshine, sand, cactus, and some very unusual animals. But before we go, just make sure y'all prepared now. Could you wear your most comfortable boots so your feet won't get sore? Oh bah ça va, c'était pas trop une manip dure. Hein. On va peut-être bloquer la chef parce que là, elle s'en va, là. Non, non, c'est bon, là, ça risque rien. On va manger? Allez. Oh là là. Oui, je sais que tu m'aimes. Ta bringuette est ouverte. Ma bringuette est ouverte. Eh bien, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. On est mardi et donc hier soir, vous avez vu, j'ai fini la vidange du réducteur. Avec Théo, on a remis l'huile dedans. Ce matin, je vais vidanger ce réducteur-là et on va aller faire un tour. On va aller faire quelques kilomètres, quelques vingtaines de kilomètres. Bon, il y a à peine 2 litres. Hein. Bon, c'est ça, un petit 2 litres. C'est bon, vidange des deux réducteurs avant, ok. Maintenant, on va aller faire un petit tour.
et on va voir si ça fuit. Je vais essayer de vous installer la GoPro. Voilà, je vais en profiter aussi pendant que je suis dans les vidanges pour faire mes vidanges de boîte de transfert, de boîte de vitesse, de pont. Je vais aussi changer tout ce qui est filtre à gasoil, filtre à huile. Je vais faire une vidange moteur. Au moins, on sera tranquille. On va repartir sur de bonnes bases. Et du coup, je bascule là-dessus. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je devrais réussir à vous dégoter un code promo sur le site internet Todd Chrono. Todd Chrono, c'est là où on avait acheté nos batteries pour flash. C'est là où on a acheté pas mal de filtres à gasoil. C'est là où on a acheté des filtres à huile. C'est là où j'ai trouvé mes petits feux de gabarit en haut. C'est un site internet où ils vendent énormément de pièces et accessoires détachés pour poids lourd en neuf. Voilà, avec des prix vraiment, franchement, très compétitifs. Je vous ai mis un lien dans la description de chaque vidéo, c'est un lien permanent. Si vous avez besoin de commander sur Todd Chrono, si vous avez besoin de pièces, vous pouvez passer par ce lien et eux, ils vont avoir des retours sur le nombre de personnes qui ont été sur le site grâce à notre lien. Une fois qu'ils verront que ça fonctionne, ils vont essayer de mettre en place un code promo et on sera les tout premiers sur YouTube à vous dégoter un code promo sur Todd Chrono. Et ils arrivent quand même à avoir pas mal de références, même sur des vieux véhicules. Donc c'est un site qui est assez intéressant. Si vous avez un poids lourd, allez jeter un œil sur le site, vous verrez. Franchement, c'est pas mal. Assez parlé, en route! Thought that it might be the best thing for us. I was thinking about me and all the things that you'd leave behind, family and a peace of mind. And I got you. I am gonna love you till the stars go out, shelter up above you till they all fall down. We ain't got light, we got love. We ain't got light, we got love. Voilà, je suis descendu, on a fait un petit 5 km, hein, juste je regarde, c'est stressant en fait, on se dit, vous imaginez, si ça va pas. Oh, franchement là, déjà, non, il faut que ça marche, Jérémy, il faut que ça marche. Et là, c'est le stress. Là, c'est le stress complet. Eh bien écoutez, ça a l'air d'aller. Je vais enlever la GoPro, regardez, elle était là. Et là, il y a du mouillé, c'est d'avance. Ouais, là c'est normal qu'il y ait de l'huile, c'est les vidanges, tout ça, tout ce qu'on a fait. Hop, voilà la petite GoPro, on va l'éteindre. Et ça a l'air d'aller, hein. Bon, il y a un petit peu de gras, c'est normal, c'est le dégraissant quand j'avais mis tout ça. Voilà, tout est bien branché, tout est ok, hein. Regardez comme il est propre, c'est joli hein. Celui-là, faut que je fasse pareil. Un jour. Non, je vais le faire dans pas longtemps. Je vais tout nettoyer et puis ben on. Faut qu'on retrouve une pompe à graisse, chouchou. T'es où? Je suis là. Faut qu'on retrouve une pompe à graisse. Je la retrouve plus la mienne. Elle est perdue. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et vive la route, vive la vie. Bientôt le départ pour nous. Vendredi, je vous prépare une vidéo spéciale détente, spéciale roulette, spéciale longboard. Je vous présente mon longboard électrique. Vous allez voir, ça envoie du lourd. Et c'est vraiment un engin fait pour se déplacer au-delà du skate. C'est vraiment un engin de déplacement à part entière. Allez, bonne fin de semaine à tous et à vendredi. Ciao!
dans un avion, quoi. Et ça veut dire qu'ils arrivent à dormir. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Attention, le commandant vous informe que le camion 4x4 Midliner M180 est bien arrivé à destination. Vous pouvez enlever vos tours de cou et vous lever. Après, pisse-moi mon truc. Et Lucas, il fait des bulles. Ah non, mais c'est quoi? Mais il était où, chamallow? Oh. Eh, c'est le chamallow qui t'est donné, qu'elle est sur toi. Elle était collée sur son œil. Ah, ça y est, elle va râler, ça y est. Mais mange-le, chamallow. Eh oh, arrête. Et je peux vous dire qu'elle a du caractère, regarde ça.